Voici connecté sur la fréquence un duo rôliste. Bienvenue. Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures ? Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde Deanna pour Donjons et Dragons 5ème édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple apprenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. Comment, à partir d'une vente aux enchères, Arthur dit le Fossoyeur va contribuer à des événements qui pourraient amener à des changements majeurs dans la Cité Franche, un des joyaux du monde Deanna. Mais revenons à l'univers que vous allez parcourir et découvrir avec une petite introduction. Donc nous sommes dans le monde Deanna. Et dans ce monde Deanna, seulement certaines terres sont connues, mais il y a une ville qui est extrêmement connue dans ce monde, qui est la ville de la Cité Franche, qui est certainement la plus grande des villes de ce monde. C'est un port qui est situé à l'embouchure du fleuve Dispand, et cette cité est ouverte sur plusieurs mers. C'est une puissante cité marchande, qui fait que c'est un comptoir, tout le monde y passe. Donc on peut tout y trouver et tout y faire. La Cité Franche, elle est découpée en quartiers, avec chacun des quartiers à plus ou moins différentes fonctions. Et là, quand tu vas regarder la carte, donc tu vois que le fleuve Dispand en fait se répartit vers l'intérieur et tu arrives à passer vers un pont qui est entre d'énormes falaises où il y a une sorte de passerelle en pierre entre guillemets qui va vers la limite ouest de la ville, qui passe au-dessus de la Dispand et qui conduit vers l'ouest ou qui se transforme en fait en une sorte de mur avec arboré quoi. Oui. Une sorte d'allée bordée d'arbres, tout à fait. Voilà. Et sur la carte, si tu vois sur le petit dessin, donc juste au-dessus, t'as un petit bateau, et donc t'as des maisons qui sont sur ce rivage-là. Oui. Ok. Donc ça, c'est le quartier que l'on appelle le quartier à soif. Ah, il est abondant celui-là. Tout à fait. Et il a un très bon nom parce que c'est le quartier qui surplombe donc le cours du Dispand. Mais ce quartier n'appartient pas en tant que tel à la Cité Franche. C'est un quartier de taudis, le taudis d'Assoif, et il porte très bien son nom parce que ce quartier, il y a très longtemps, était un peu une banlieue de riches, où les nobles avaient une sorte de maison cossue, tout était agréable à y vivre, parce que sur les falaises qui entourent, il y avait une chute d'eau qui alimentait ce secteur-là, et ce qui faisait que c'était très, très agréable d'y vivre. Mais pour des raisons inexpliquées, cette chute d'eau s'est tarie. Et donc cette zone en fait est plutôt désertique, les habitants ont besoin de trouver tous les moyens de stocker l'eau, donc il y a pas mal de citernes qui sont installées, et donc les riches personnes ont déserté le lieu, et les grandes et jolies maisons sont passées en ruine, et au final c'est devenu un quartier pour les personnes n'ayant pas les moyens de se payer un logement en ville. Il y a tellement peu de moyens qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle la garde de quartier qui s'appelle une vigilante, il n'y en a pas. Les habitants sont forcés de verser petits salaires aux bandes locales en fait pour leur sécurité. Donc le seul avantage de ce secteur c'est qu'il n'y a pas de loyer à payer hormis sa petite protection. Donc c'est un endroit où on peut venir faire des affaires parce que dans la montagne il y a un réseau de tunnels qui peuvent amener à différents endroits et notamment avec une ancienne nécropole. Donc c'est propice aux affaires obscures, et puisqu'il n'y a aucune vigilante et que le quartier est aux mains de quatre bandes, qu'on appelle les tops d'Assoif, bah ça laisse voilà, libre cours à toutes les affaires que l'on peut avoir. Juste un point aussi par rapport à ces bandes, dans la Cité Franche, il est reconnu qu'il y a en tout cas
les personnes qui sont affranchies de ces informations-là, sauf qu'il y a plusieurs grandes bandes qui s'affrontent au sein de la Cité Franche, avec certains types d'activités criminelles ou autres, mais en fait elles n'ont pas la main mise sur ce secteur d'Assouaf. Ça reste vraiment un secteur qui est pas neutre en tant que tel, puisque chacun va essayer de prendre le pouvoir, mais qui est complètement délaissé du pouvoir local, et que les mafias, entre guillemets, les crimes organisés, voudraient bien avoir, mais comme les bandes locales sont plutôt très peu attentives à l'autorité, ça reste voilà, un endroit un peu pas sans foi ni loi, mais c'est très peu contrôlé, quoi. Le Far Un West. peu une sorte de Far West, on peut dire ça, quoi. Donc le moyen d'y aller dans ce secteur d'Assouaf, ce qui est la complexité, c'est soit de passer, parce qu'on est sur la carte, la partie qui est arborée avec le sorte de mur. Donc là, il y a des portes qui sont gardées par la garde d'Airain, qui est la grande armée de la cité. En fait, c'est pas une armée en tant que telle, ce sont des soldats d'élite qui emploient après les différentes vigentes. Les différentes vigentes, c'est les différents corps de garde, entre guillemets, des quartiers. Par contre, aux portes des villes, c'est en général la compagnie d'Airain qui travaille. Donc il faut passer ces contrôles-là pour entrer dans la ville, donc c'est quand même très contrôlé. Donc l'autre façon, ce que la plupart des gens font, ils utilisent des passeurs qui dérivent le long de la dispense pour faire rentrer dans les différents quartiers. Et donc là, on est en soirée, voire la nuit va tomber, donc les ombres s'allongent, et tu as rendez-vous avec un passeur justement pour t'amener dans le quartier d'Assouaf, parce que ton professeur référent, le professeur Snap, il a eu vent d'une transaction qui allait avoir lieu, une sorte de vente aux enchères, qui aurait lieu donc à Assouaf pour différents objets magiques. Et ce qui l'intéresse particulièrement, c'est qu'il aurait entendu qu'il y aurait une vente de pierres précieuses, parmi lesquelles se trouveraient des agates. Et les agates font partie des pierres précieuses les plus importantes pour deux raisons. Les premières, leur rareté. Et la deuxième, c'est que souvent, on associe les pierres d'agate à la magie des dragons d'agate. Donc, ces pierres, en général, les pierres précieuses peuvent servir à des rituels magiques. Mais ces pierres d'agate pourraient être aussi des moyens de faciliter la magie, ou en tout cas de peut-être d'avoir des accès. Et dans ton cas, à toi, ce que le professeur Snap a pensé, c'est que peut-être ça pourrait aider à éveiller tes pouvoirs. Donc il est intéressé par ces objets qui, clairement, il sait que c'est des choses qui ont été volées, c'est pour ça que c'est vendu à Assouaf, et voilà. Donc, mais néanmoins, il est prêt à prendre le risque parce que, bah, de par vos activités magiques et ça, des fois, t'es bien obligé de trouver des astuces pour continuer à faire des choses. Donc, il t'a donné un très beau chèque équivalent à peu près à 2000 pièces d'or pour aller acquérir ce lot de pierres précieuses. Donc, lui, il est intéressé par le lot parce qu'il y a les pierres d'agate, mais les autres aussi, il sait pas exactement quels seront les autres pierres, mais comme c'est des pierres précieuses et qui peuvent être intéressantes pour la magie, il est intéressé pour le lot, quoi. Donc toi, tu as accepté l'opportunité et tu vas pouvoir peut-être me décrire ton personnage, son nom et peut-être quelques éléments de donc quel est son état d'esprit à ce moment-là, quoi. Avant de monter avec le passeur qu'il a identifié, on démarre au point de rencontre avec le passeur. Mon personnage s'appelle Arthur et il n'y a pas de nom de famille parce que déjà toute sa famille est morte. Elle a été tuée par une attaque des créatures du Chancre qui est venu attaquer mon petit village en Cyrillian. Et aussi tout simplement parce qu'il a probablement oublié le nom qui ne représentait pas grand-chose pour lui. Mais il a un surnom, on l'appelle le Fossoyeur. Et pourquoi? Parce qu'il a développé un certain goût pour la mort et dans le sens étude de la mort, étude anatomique. Et études magiques par rapport à tout ce qui correspond à la mort. Et en fait, tout simplement, son métier à lui, c'est ce qu'on appellerait dans le monde moderne un coroner. Donc en fait, c'est un médecin légiste qui aide un ou plusieurs des tops d'Assouaf pour soit identifier la cause de la mort, ou éventuellement, mais comme il a quand même de bonnes connaissances en médecine, soigner les gens. Donc là, en l'occurrence, il va pas à la vente aux enchères pour travailler. Donc j'imagine qu'il est habillé en habits relativement sobres, vraiment pas très riches, loin de là, mais robustes, des vêtements qui sont faits pour durer longtemps, peut-être une laine un peu rugueuse, et une cape, une grande cape de couleur sombre. Pas de bonne qualité, mais au moins quelque chose qui non seulement tient chaud, mais en plus est relativement discret. Et son état d'esprit à ce moment-là, ben, il se dit, tiens, pourquoi pas, si toucher des pierres, ça me permettrait
d'être réveillé, pourquoi pas, dans ce cas-là, mais le fait qu'il ait beaucoup d'argent et qu'il ait un bon porteur et qu'il est dans un quartier mal famé, il essaye d'être relativement discret, de se fondre dans la masse et de vraiment pas paraître différent des autres. Ce qu'il fait relativement très bien habituellement. C'est parfait. Juste un point justement d'histoire. Dans la Cité Franche, il y a un réseau de. Enfin, pas que la Cité Franche, mais il y a un réseau bancaire. Et à la Cité Franche, qui est utilisé, c'est le réseau Steinbank. Un réseau qui est maîtrisé par les Dvergen. Les Dvergen étant dans ce monde ce que l'on pourrait déclarer les nains. Et c'est une de leurs spécialités. Donc il y a un comptoir précis avec un quartier où ils ont. Ce contrôle bancaire, et donc ça peut être façon de sécuriser ses achats. Mais là, effectivement, vu le secteur où tu vas, c'est peut-être plus compliqué d'utiliser des crédits, on va dire, bien marqués. Ouais. Ceci dit, je pense que le Fossoyeur connaît bien ce quartier-là, étant donné que, comme tu dis, il y a la nécropole, et donc il faut passer par Assouaf pour aller dans les tunnels et la nécropole. Je pense qu'il doit fréquenter régulièrement la nécropole, mais plus d'un point de vue scientifique, éventuellement avoir accès à des squelettes, sans avoir aucun problème avec les vigilantes ou même la garde des reins, et pouvoir faire en fait son travail de scientifique. Et apprendre plus sur l'anatomie, la structure du squelette, les ligaments, les tendons, etc., etc. Donc, je pense qu'il doit être relativement familier de l'endroit. Et naturellement, en fait, du fait qu'il ait passé toute son enfance à traîner dans les rues, sans avoir une vraie structure familiale, ni une vraie structure de foyer, fait qu'en l'occurrence, il est confortable à voyager en ville, en passant inaperçu. Alors, tout à fait, il connaît bien puisque ça fait quand même quelques années qu'il est aussi à la, si je me trompe pas, ça fait quelques années, hein, qu'il est à la Cité Franche pour pouvoir étudier, c'est bien correct. Donc oui, il connaît comme tout le monde le quartier Assouaf et il a dû y aller plusieurs fois. Par contre, ce n'est pas le quartier qu'il a le plus fréquenté pour l'aspect, entre guillemets, nécropole et ces arts-là, parce que la nécropole, c'est un autre quartier. Et en fait, il y a des réseaux de souterrains qui amènent jusqu'à Assouaf. Donc ces réseaux de souterrains, c'est pas des choses que, enfin c'est clairement pas quelque chose que les gens utilisent. Seules certaines personnes habilitées ou en tout cas qui ont certaines infos, informations secrètes les utilisent pour pas se perdre. Parce qu'en plus, une des craintes des gens en général qui vont dans les nécropoles et dans celle-là, ce que l'on sait dans ce monde des Anas, c'est qu'il y a aussi l'inframonde, ce qu'on appelle. Si on cause trop loin, pas comme il faut, on arrive dans un autre monde. Et que certains associent à cette maladie qui est le chancre et la corruption qui détruit les corps et les âmes, qui fait sortir des choses horribles. Donc c'est un, voilà, il y a cette vision. Donc je pense que, en tant qu'étant fossoyeur et attiré, clairement oui, il a dû aller à la nécropole, il doit avoir des relations là-bas et tout. Peut-être qu'il a pu vouloir explorer la nécropole et tout. Par contre, c'est pas par soif vraiment qu'il y a passé. Après, peut-être, on pourrait très bien avoir cette vision-là. Étant donné que c'est un lieu où il y a beaucoup de trafic, des fois quand ils veulent trouver des choses qui sont pas forcément légales, ils vont à C'est Assouaf tout à fait, ouais. pour parler avec les gens qui spécialisés, qui sillonnent la nécropole et qui trouvent des choses qui sortent de l'ordinaire aussi. Donc je pense qu'il y a Tout à fait. une certaine connaissance quand même du. En Parfait. tout cas, Ça me va. ils se fondent dans la masse et ils se dirigent en direction du lieu où il y aura la vente aux enchères. Donc, avant d'avoir rendez-vous à la vente d'enchères, il faut aller, faut prendre le rendez-vous avec le passeur, puisque tu as déjà été souvent dans ce secteur-là. Tu peux déjà voir quelqu'un que tu connais qui fait, donc c'est la famille Gumen, Jimble et Vira Gumen, c'est le père et la fille. Ce sont deux gnomes qui offrent leur service de passeurs et qui ont un dériveur qui t'attend. Alors en fait, ils viennent pas que te transporter toi, hein, c'est la soirée qui se passe, il y a quand même pas mal de gens qui profitent effectivement du fait que même si c'est un taudis pour les gens, comme il y a effectivement des activités un peu annexes, il y a quand même un certain nombre de personnes qui y vont, hein. C'est pas l'autoroute, mais quand même. Donc t'avais rendez-vous, donc enfin tu savais où trouver ce gnome qu'on appelle dans cet univers-là des stick-a-booters. Je pense pas que j'arriverai à le prononcer souvent celui-là. Stick à butter. Ouais, les stick-a-booters. Donc t'arrives sur l'endroit où est le passeur en général. Donc c'est un gnome on va dire, d'âge mûr, avec un visage
marqué, un corps plutôt sec. Alors bien sûr, il est bien emmitouflé dans une sorte de une grande parka type marin, fort fort usagé, ce qui laisse présager peut-être que dans son passé, il a été plutôt sur les bateaux avant de se retrouver ici. Et donc avec les manches retroussées, et on voit bien ses bras musculeux, malgré le fait que ce soit un stick-à-booter, et avec un visage bien bien marqué et buriné. Alors bien sûr, là la nuit tombe et il y a juste des éclairages au sol qui indiquent où sont les passeurs. Donc toi, c'est parce que tu as déjà utilisé ces services que tu connais ces détails-là. Sinon, ça se verrait pas forcément aussi bien. Et il est toujours accompagné de sa fille, une plus jeune entre guillemets gnome avec un visage assez espiègle, qui elle est vêtue d'une tenue en lin pratique et tout, et qui sert en général à guider le bateau alors que lui pousse la dérive et la pagaie, le bâton pour faire traverser la dispense. Donc au moment de ton arrivée pour embarquer, il y a d'autres personnes qui sont aussi présentes. On va faire le premier jet, faire un petit jet de Déjà, ça commence perception. fort. Eh bien, le premier G, c'est 16 plus 3, 19. Parfait. Donc, sont déjà installés dans le bateau quatre personnes, deux personnes plutôt richement vêtues, ce qui est un peu tape à l'œil pour aller là où vous allez. Néanmoins, tu avec ton regard perçant et même cette lumière qui était baissée, tu vois que leurs étoffes, même s'ils n'ont pas l'air de, c'est pas clinquant pour attirer le regard, c'est de suite ça, on voit que c'est deux personnes assez riches, plutôt assez jeunes. Des humains, un qui a un visage un peu, toi tu pourrais le classer de porcin, c'est une sorte de bouille porcine, et le deuxième plutôt légèrement plus jeune, avec des traits, on va dire, vu que le jet que t'as fait, tu penses qu'ils sont de la même famille, par contre plus fin, le visage plus pointu. Et à côté d'eux, sur la barque, donc se tient une personne en tenue clairement de combattant. Comme t'avais enfin mangé, tu pensais, il y a carrément un combattant qui est là, quoi, qui est bien droit, qui est aux couleurs ternes. Et un dernier passager qui est tenu de prêtre, donc un vêtement de toile qui le couvre. Un humain aussi, avec un visage au trait très jovial et souriant. D'ailleurs, lui, il était encore dans la lumière, il n'était pas dans la barque, il était au bord et il doit être en train de parler avec Jimble. Un visage très avenant, mais pareil, une personne assez âgée, avec une barbe bien grise, des cheveux coupés courts, avec, tu saurais pas dire avec la lumière si c'est une tonsure ou si c'est juste qu'il est bien dégarni, et avec une boucle d'oreille sur l'oreille gauche. Donc, à ce moment-là, Jimble te voit, ah, te voici, t'as attendu, nous allons traverser, c'est bon pour toi? Salutations, commandant. Permission d'embarder? Avec plaisir, vas-y, vas-y. On a encore une personne qui devrait arriver, mais vas-y, vas-y, on est sur le départ, c'est parfait. Je me retourne vers la fille, je fais mes hommages, Miss Vira. Toujours si resplendissante. Tu vois que même dans la lumière descendante et quelques torches, son visage s'ouvre un petit peu et puis ah, toujours le mot pour rire. C'est gentil, ça fait plaisir de vous revoir, monsieur. J'espère que tout va bien pour vous. Oui, et vous? Comme une, tu vois qu'elle. Elle se lève la tête, elle moule le doigt, elle regarde le ventre. Oui, une bonne nuit, on devrait faire du bon passage, c'est très très bien. Excellent. Allez, je vais me mettre en position. Donc elle, tu vois qu'elle va se mettre un peu au bout de la barque. So, tu sais que son rôle, c'est de. En fait, pour par De rapport. Même repérer. si la garde des reins n'est pas là et tout ça, c'est elle qui va repérer et après orienter pour son père pour bien rester si au cas où il y aurait des déchets ou quoi que ce soit. Parce qu'effectivement, la lumière va être éteinte. Au moment où elle parle, je dis, nous comptons tous sur votre bon œil, Miss Vera. Ne nous décevez pas. Qu'elle a un petit sourire et puis elle va se mettre à son poste. Donc tu t'installes où Je dans la m'embarque. barque? Donc c'est une sorte de barque plutôt très en longueur et donc en fait il n'y a pas vraiment de place assise ou autre, hein, c'est juste des sortes de petits postes, tout. Donc il y a les deux, on va dire, un peu riches. Après il y a celui qui a l'air d'être un soldat. Il y a le prêtre qui était avec Jimmy qui enfin, ah bonjour monsieur, je vois que vous avez l'air de prendre souvent ce passeur-là. Ça passe très bien. Je suis pas très familier avec les monter ces dériveurs, hein, mais bon. Vous avez l'air d'avoir toute confiance et tout ça, c'est bien, parce que les autres devant, ils étaient un peu pas très causants. Vous allez bien, donc c'est parfait. Le commandant, vous pouvez avoir confiance, il vous mènera à bon port. C'est Ah, quelqu'un ouf, très bien. de très habitué à la mer. Enchanté, monsieur. On Enchanté. m'appelle le Fossoyeur.
Oh, et moi on m'appelle le pasteur. Il sourit, il te tend la main, comme se tendent la main des gens civilisés dans ce secteur-là. Je lui serre la main de manière totalement oubliable. Pas inoubliable, oubliable, style. Ok. Ni trop mou, ni trop fort, ni trop ferme, comme un gant de velours, quoi. Ah, embarquons, embarquons, sinon nous allons les mettre en retard. Et donc je Oui, tout à monte et fait. puis je reste à côté de lui. Il fait que que Flore soit avec nous pour cette traversée. Et puis tu vois, il fait un petit signe. Alors, est-ce que je dois faire un jet pour savoir qui est Flore ou... Non, tu sais que ça fait partie des huit, on va dire des huit divinités du 8 ou 9, ça dépend comment on compte divinités de l'univers qui sont à peu près connues. Par contre, si tu veux que je te donne un peu plus d'infos sur ce que tu peux savoir, tu peux faire un G. Ouais. J'imagine qu'elle fait partie des quatre divinités qui sont plus tournées vers la lumière versus les autres quatre qui sont plus tournées vers les ténèbres comme mort, etc., etc. Alors, les divinités sont sûres. Bon, il y a Eanna, qui est l'esprit de la planète. Il y a Forgeron, Façonneur, Mort, Givreuse, Flore, et plutôt deux spéciales qui sont Tamerac et Xonim. Qui sont mère et fils. Que voilà, et que à la Cité Franche on appelle Tempête et Nuit. Pour les autres, il n'y a pas vraiment de ce côté obscur ou autre. Effectivement, il y a une divinité qu'on appelle Mort, mais elle n'est pas forcément néfaste en tant que telle, s'il faut bien s'occuper de la mort et des âmes qui y trépassent. D'ailleurs, à la nécropole, c'est là où il y a le temple de Mort, et il y a tous ces temples ont une particularité, ils ont toujours un puits sans fond, rempli d'eau, puisque c'est là où on peut, pour ceux qui souhaitent certains rituels, se faire immerger et être entre guillemets pesé et jugé et savoir si ils sont prêts à aller être reçus de l'autre côté. Mais c'est pas forcément néfaste en soi, donc je sais pas si c'est ça que t'entendais par le côté les quatre lumineux ou pas lumineux C'est ou ça, oui. autre. Ce serait plutôt le forgeron, le façonneur, et Anna et Flore versus mort, tempête et nuit, et le quatrième, que j'ai oublié le nom. Flore, effectivement, c'est plutôt par son nom, c'est effectivement c'est plutôt La la nature. La Renaissance, le nature, renaissance, le printemps, les choses, printemps, voilà, ouais. ouais. Ok. Et idéalement, on essaye de se mettre pas à côté des gens riches, si c'est possible. C'est tout à fait possible, vous restez à l'arrière avec. Avec Jimble. J'imagine qu'il lui il est à l'arrière pour pousser le dériveur et pour la barre, donc ouais, plutôt et je suis même pas sûr de savoir nager, donc C'est bon à savoir ça. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'au moment où il poussait, parce qu'il disait quand même c'était un peu long et donc il allait quand même partir, au moment de faire ça, il y a une silhouette qui arrive en courant et qui saute sur l'esquif qui était en retard et qui d'un bond le plus majestueux ou pas, ça dépendra du résultat, arrive sur le navire. Donc il y a une silhouette effectivement qui saute, tombe au milieu de l'esquif entre vous. Et comme vous étiez à l'arrière avec Jimble qui s'effondre entre guillemets sur Fabio et toi, et vous allez me faire un petit jet de dextérité, difficulté 10, pour savoir si vous tombez dans l'eau ou pas. allez, eh ben je tombe dans l'eau. 3 plus 2, 5. Ah! Aïe, cela commence bien pour notre aventurier. Pour savoir ce qui va arriver à Arthur et continuer l'aventure, retrouvez la suite très prochainement. Abonnez-vous pour être notifié, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou notre site web unduorolliste.net. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci et bon jeu!